J'espère que vous avez la pêche, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Et oui, comme vous savez, c'est chaque week-end une vidéo vlog. Et aujourd'hui c'est pour un nouveau thème. Donc je vais vous parler pour devenir boxeur ou la boxe en général. Parce qu'il y a pas mal de gens qui croient que la boxe c'est juste ceci. Ouais, round 1, on est parti, let's go. Let's go. Allez. Allez hop, on est parti les amis. Let's go. On se prépare. On va aller faire un round. Ok. Parti, on se prépare. Premier gant. Attention. 3. On va mettre le casque. Deux. Et trois. On est parti. Tout de suite. Tout le monde, et comme vous avez pu voir, j'ai bien tapé. Mais en fait la boxe n'est pas seulement ça. Donc avant de taper sur les sacs corps cinglés, normalement c'est plus de la technique, mais c'était un petit côté humour que j'ai voulu faire. Et voilà. Alors la boxe, comme la plupart des gens croient, ce n'est pas seulement ça. Avant ça, je vais vous raconter moi-même, parce que voilà, je pense que je peux faire un vlog dessus, excusez-moi si je suis essoufflé. Tout simplement parce que c'est ma 4e année d'entraînement. Donc voilà. Et je vais normalement commencer la compétition cette année. Et donc j'ai décidé de faire ce vlog tout simplement. Alors oui, donc moi dans mon entraînement personnellement, c'est un très bon club, hein, voilà. On a 1h30 donc, d'entraînement cardio. Je suis un peu soufflé. Et une demi-heure en fait de boxe en les mêmes, donc tu combats, voilà. Voilà, sur les sacs et tout ça. Donc voilà. Alors la plupart des clubs, ils font un peu du gros n'importe quoi, hein, ouais. Il vaut direct sur les sacs, ou même 2 €, tu vois, il est fini, ça abîme les trucs et tout. Non, la boxe n'est pas ça. Un bon club, il fait d'abord un entraînement physique, un entraînement cardio, tout simplement, parce que sinon vous n'allez pas tenir. Il faut minimum 2 minutes pour un round, voire 3 minutes, vous n'allez pas tenir sur le ring, quoi. Alors il y en a qui font ça pour plaisir, d'autres pour la compétition. Donc voilà. Autre petite parenthèse, il y a des gens qui font la boxe simplement pour faire du mal. Donc ceux-là, je vous attends. Parce que franchement c'est pas bien, donc la boxe c'est avant tout, excusez-moi je suis essoufflé, c'est avant tout du self-défense, c'est pas du self-attaque, donc ceux qui embêtent les autres, on va dire ça comme ça, franchement vous ne méritez pas de faire partie des boxeurs tout simplement. C'est avant tout, les boxeurs ils sont gentils, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc j'ai dit ce que je voulais dire le plus important. Donc oui, l'entraînement physique. Alors je vous explique l'échauffement pour être un bon boxeur. Il y a pas mal de cordes à sauter, je vais pas mettre de scène sur la corde à sauter tout simplement parce que j'ai pas de place dans ma chambre actuellement. Et comme il fait un -1 dehors, je vais pas y aller comme ça, vous voyez, ok. Voilà. Donc il y a l'échauffement, on va corde à sauter de 10, 15 à 20 minutes. Et puis on fait aussi un peu du footing. Donc la boxe c'est vraiment un sport complet. Donc voilà, on fait un peu de footing aussi. Puis après je vous laisse chauffer comme on veut, mais avant tout surtout de la corde à sauter, du footing, je te prends au courant en faisant des mouvements, voilà, choses comme ça. Voilà, sinon on fait beaucoup de cardio, on fait beaucoup donc de gainage, voilà, on fait pas mal de mouvements pour se muscler les bras, on fait également pas mal de mouvements pour se muscler les bras, les jambes également, oui c'est très important pour avoir des bons appuis en boxeur, être bien stable sur nos jambes. Et puis on fait également des abdos tout simplement. Donc pour bien se muscler, voilà, niveau beau gosse. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Petite série d'abdos, let's go.
Salut les potos. Donc on est parti pour une série d'abdos. Alors avant de commencer, je ne suis pas ma poitrine. Bon sérieusement, allez on est parti, on va faire une petite série d'abdos, on va souffler tout ça. On est parti, on va commencer avec des levées jambes, voilà comme ceci. Voilà, on fait quelques séries, on fait comme ceci, on les croise en fait. Voilà, tout ça bien tendu. Hein. Bien tendu. Ok. Voilà, comme ceci. 1, 2. Donc vous faites beaucoup de séries, moi je vais pas en faire beaucoup là. Simplement comme c'est une vidéo vlog, faut pas que ça dure 3 plombes. Et voilà. Là vous faites du hammer, comme ceci. 2. Donc ces mouvements-ci les amis, c'est des mouvements que vous pouvez faire chez vous, tranquillement, pour bien vous faire des abdominaux visibles. Et voilà. Bien tonique. Hein. Et donc ces mouvements-là, c'est un aperçu de ce que je fais à la boxe. Mais j'en fais bien d'autres, hein. Là c'est juste un petit aperçu. Voilà, voilà, hop. Après vous restez tendu. 1, 2, 3. Voilà, vous restez en gainage à chaque fois. 4, ouais. Là vous accélérez. 6, 7, 8. Gainage. Et hop là. Voilà, vous pouvez faire ce mouvement-ci comme ceci. Les mains bien sur les cuisses. Vous remontez. Soufflez bien. 4. Et tout ça, vous contractez bien vos abdos pour que ça vous les forme bien, évidemment. 6, vous en faites 8 pour commencer. Et vous pouvez faire jusqu'à 3 séries. Après, vous pouvez mettre les mains entre les jambes, comme ceci. Pareil, vous en faites 8, vous pouvez faire plusieurs séries. Soufflez bien dès que vous remontez. Hein. Et prévoyez une serviette, voilà, pour éviter la transpiration. Et puis une bouteille d'eau à côté de vous, pas comme moi. 7 et 8. Puis après vous mettez comme ceci, vous restez 10 secondes. Voilà. Voilà, c'était un petit aperçu les amis pour vous montrer que les abdos. Voilà, et puis j'espère que cette petite scène vous aura plu. A tout de suite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vlog vous aura plu. Donc pour ce mouvement que vous avez vu précédemment, vous pouvez le faire assez souvent, au minimum 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà. Ça va bien vous muscler vos abdos, même si vous allez avoir mal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc voilà, et donc ça, c'était pour avoir la tablette de chocolat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai expliqué pas mal de sujets dans cette vidéo vlog. Et puis voilà, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Puis laisse des petits commentaires si tu as des questions, voilà. Et puis le boxeur Laxi, je te dis à plus.